Si tu cherches des cartes Xbox ou PSN, voire des points FIFA moins chers, je te conseille d'aller sur Instant Gaming. Le lien est en premier dans la description. Fais-toi plaisir et n'hésite pas à participer au concours. Le lien est en premier commentaire. Bonne chance à tous. Bonjour à tous, c'est Robert 87000. Bon, on va désamorcer direct le truc. Oui, j'ai un épi. Je suis le seul gars chauve à avoir des épis. C'est juste incroyable. Je sais pas, il est là. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Ne reste pas perturbé sur ça. Sinon, ça va gâcher le reste de ta vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un pack opening. Oui, bah oui, il y a pas mal de trucs iconés en ce moment. Bah voilà, on se fait plaisir. J'ai ouvert deux packs icônes moyens. Un sur le compte secondaire. Un sur le compte principal. Je vais te laisser découvrir tout ça. Et dès demain, il y aura la vidéo de mon fut champion. Est-ce que j'ai réussi à aller chercher le 30-0 ou pas? Et en plus, l'une des cartes m'a servi sur le compte principal. Et vraiment, c'est du très lourd. J'espère que vous laisserez votre plus beau like sur cette vidéo. Vraiment, elle le mérite. C'est une vidéo très courte. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous laisse découvrir tout ça. Merci à tous pour le soutien sur les lives. C'était juste extraordinaire. 22-0 la semaine dernière. On a perdu au 22e match. Est-ce qu'on a fait mieux cette semaine? Est-ce qu'on a craqué complètement dès le début? Mais vous le saurez dès demain à 11h dans une nouvelle vidéo. On a testé Kaka Prime Moment et Drogba Prime Moment. Plus l'icône qu'on a packé sur le compte principal. Moi, je vous laisse découvrir les deux packs. Bonne vidéo à tous. Donc le pack icône moyen, on est sur le compte secondaire. Pourquoi je voudrais le faire? C'est parce que hier je suis dégoûté. Non, j'ai eu Nesta, c'est pas le pire. J'ai pu faire avec ce qu'on avait sur le compte un 85 déjà. Mais bon, là il y a quand même encore un 85 et un 88. Et le 88, je crois qu'il coûte 300 000 hein. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Cross, tu vois, 40 000 au lieu de 53 000, quoi. Ça fait toujours 10 000 de moins, hein, c'est pas mal. Et à la revente, t'es bien. À la revente, t'es bien. Ah, ça aurait été bien, 66 000 aussi. On serait fait... Ah, bah 68 000, c'est pas mal aussi, ça fait toujours 5K. Ça fait déjà 15K d'économiser par rapport au prix annoncé. Je pense que sur le compte principal... Voilà, 7008, et bim. T'as là, je pense qu'aujourd'hui, si tu fais de la tech 59, sérieusement... Oh, tu peux tellement te mettre bien. Tu peux tellement te mettre bien. Oh là là, c'est incroyable. Vous vous rendez compte des erreurs de prix qu'on a fait depuis tout à l'heure? Là, c'est-à-dire qu'on revendrait, juste on revendrait les joueurs qu'on a achetés. On serait déjà à plus de 25 000 de BDF. Ça y est, je crois qu'ils mettent là. 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 Et là. Allez, on est bon. Allez, un pack de joueurs rares. Bon, là, il faudrait avoir un 83, tu sais, juste pour avoir un peu de chance. Ouais, malheureusement, il n'y a rien. Ça sent la douille. Oh, mais merci pour ton soutien, Isma. Oh, mais merci. Oh, ça sent la douille, direct. Maldini ou Henri, là, ce serait bien. Hein. Gérard, ce serait bien aussi. Hein. J'ai pas envie de valider. Regarde-moi, j'ai pas envie de valider. Je ne validerai pas. Oh, j'ai pas envie de valider, les gars. On a plus de crédit après. Hein. On est tellement pauvre. On a le pack de joueurs. Plus Arthur et tout. Ouais, on a 50 000 crédits, les gars. Le gars, il a plus de joueurs, mais il s'en fout. Il va avoir une nouvelle icône. Je m'en fous, j'avais pas d'icône sur le compte secondaire. J'en aurais deux maintenant. Nesta et... On verra bien. Bon, là, on a rien du tout. Je vous fais pas... miroiter plus longtemps. Merci à tous d'être aussi nombreux. Merci, merci, merci. Allez, un beau drapeau déjà. Pas japonais, s'il te plaît. Allez, français. Espagnol. Ah, ça va être quoi? Liro? Y'a ça, c'est un nom Pouyol. Ah, Pouyol! Oh putain! Oh, je suis dans les DC! Oh, ça va être dur à jouer, Pouyol! Oh. Et c'est exactement la même carte que Nesta. C'est la même carte! Donc, c'est pile le montant qu'on a dépensé pour faire l'icône. C'est pile son prix. Pouyol, c'est 350 000. C'est toi, c'est vraiment à la limite, quoi. C'est pas nul, mais c'est... Le problème, c'est que j'ai deux Ligt aussi. J'ai tout le temps la même icône, quoi. Ça fait deux défenseurs centraux. Avec la même carte, les gars. La même carte. 400K, Pouyol. Il coûte 400K. C'est son prix. En gros, on a acheté au prix qu'il coûte, quoi. Bon, bah, on va tester, hein. Après, j'ai adoré deux Ligt aussi, hein. Eh, maintenant, j'ai une défense. Full icône.
Donc là, je suis à 2 sur 3. Ah là, j'ai plus rien dans le club. Ah là, tu vois, je peux pas dire je vais mettre tel ou tel joueur pour faire le SBC. Je n'ai plus rien. J'ai tout bazardé. Et j'ai quand même, bon, à part Maldini qui compte pas, j'ai 9 icônes quand même dans le club là en ce moment. J'ai du Maradona, du Barnes, du Gattuso, du Blanc, du Raoul, du Mataos, du Van der Sar. Et là, je vais en avoir une nouvelle. Si on perdait un match, au pire, on partirait sur full icône. Hein. Voilà, il faudrait paquer un joueur de côté, hein, un petit best. Après, best 88, c'est peut-être pas le meilleur quoi. On va ouvrir les 12 packs, les 13 packs. Ça porte pas chance, 13 packs. Tu vois, c'est de ma faute au final. Je me suis pas porté chance à cause de ça aujourd'hui quoi. Après, bon, là pour le moment, les packs icônes, les gars, ça a donné juste Nesta et Puyol. Hein. Quitte à me donner un défenseur comme ça, donne-moi un Maldini ou un Ferdinand. Et encore Ferdinand, sa moyenne, elle est pas terrible, je crois. Voilà, là, il y a un 83, allez, là. Ah, grosse anime. Allez, hein. Oh putain, si c'est Oblak, elle est pas... Ah, merde, on est dans vite. Dommage, parce que Oblak, c'est presque 100 000. Au moins, ça aurait pu aider. Bon, on a aidé qu'il fallait que ça nous aide, c'est bien, un 88 pour une team à 85, c'est parfait, ça. Et Lukaku, là, ça passerait ou pas? Si ça passe, là, on est bien, hein. Ça va pas nous quitter grand-chose, hein. Bon, j'y crois pas que ça passe, mais... Non, ça passe pas. Fallait peut-être pas déconner non plus. Et Immobilier, ça passe? Ah, Immobilier, ça passe. Franchement, ça va, hein. Le pack icône, il est là. Bon, pour le moment, pour rappel, on a eu... Alors, certes, au début d'année, on a eu Eusebio, Pelé, on a eu Maradona, Blanc, Mataos. Mais là, depuis que là, on est sur la deuxième vague, on a eu Nesta, on a eu Puyol. Espérons voir mieux, les gars. Espérons voir mieux, hein. Oui, je vais l'ouvrir maintenant, oui. Non, je vais pas vous faire attendre. Ah, mais c'est sûr du Picsou, c'est trop cher, toi. Le pire à voir, oh, sûrement encore Inzaghi, hein. Le pauvre Inzaghi, tout le monde lui chie dessus, quoi. Ah non, Inzaghi n'est pas le pire, c'est Nakata, qui est qu'à 130 000. T'as Deco à 134 000. Après, si tu vois portugais, t'as Inzaghi à 135 000, Vieri 140 000, Laudrup 140 000, Larsson 150 000, Okocha 157 000. Ouais, après, c'est quand même pourri. Hein. Ça commence à être à peu près un peu moins dégueulasse à partir de Barnes, quand même. J'annonce Lampard. Bah tiens, annoncez ce que vous pensez, moi je vais ouvrir. A votre avis, qu'est-ce que je vais avoir, quoi? Et encore, il n'y a pas des ventes. C'est vrai. 3831. Est-ce qu'on attend les 4000, les gars? Non, au jour. C'est vous qui décidez. On est 3874. Est-ce qu'on laisse le temps aux gens d'arriver? Non? Eh bien, on ouvre. On est parti! Je peux voir. Je peux pas voir le drapeau. Allez, rends-moi heureux, si tu veux. Allez, un beau drapeau brésilien. Garincha, ça? Oh, Garincha! Yes! Ah, ben voilà! Là, c'est un bon joueur! Garincha, monsieur! Boum! Ah, ben voilà! Et brésilien, monsieur! Brésilien! Bon, là, on aurait vu BU. Je préférais voir AD que AG. AG, ça aurait été. Ça pouvait être Ronaldinho. Ah non, même pas, c'était MOC. Bon, ben voilà, on avait dit qu'il fallait taper dans du lourd. On tape Garincha. 1 million. Voilà! C'est ce qu'on voulait! Parce que, après, brésilien, t'avais du très bien, mais t'avais quand même Rivaldo qui était. Kaka, Socrates, Carlos Alberto, Roberto Carlos, et non, on tape l'un des 4 meilleurs, hein. Il y a Garincha, Ronaldinho, Pelé, Ronaldo. Ah, mais ça redonne le sourire, d'un seul coup. Le petit Garincha qui fait plaisir. Merci pour les GG, les gars. Bon, ben. Là, on va avoir du mal à l'intégrer. Ah, je vais pas te mentir. Donc ce qui va être, ça va être notre sub de luxe du week-end. C'est quand même beau de se dire qu'on a un sub de luxe du week-end. Après, l'avantage, c'est qu'on pourra faire full icône. Hein. Je vous avais dit, il faut un AD. J'espère que dans la vidéo, je l'ai bien gardé, les gars. Je vous ai dit, il faut un AD. Voilà, il faudrait paquer un joueur de côté, hein, un petit best. Ça, c'est bien qu'ils aient rajouté les caractéristiques. C'est plus simple pour voir. Un sub, bah, j'aurais préféré avoir Garincha sur le compte secondaire et Nesta sur celui-là, au pire. Hein. Et maintenant, le petit Garincha, les gars. Bah, il manque plus qu'à paquer un DD et un DG, on est bon. Et la probabilité de voir brésilien est tellement faible. Là, quand j'ai vu brésilien, j'ai dit oh, oh, oh. Ah, ça aurait été beau.
Oui, bah un petit Garincha, bah oui, bah quoi de plus. Bon, le problème c'est sur le compte secondaire, la défense a fait maintenant Nesta Puyol. Comment te dire, bon, je suis allé chercher l'or 2, un 14-1 j'ai fait sur le compte secondaire, ce qui est très bien, mais alors, la charrette qu'ils ont tous les deux, c'est quand même assez compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser le gros like, c'était Robert 87000, je te dis à demain pour le 30-0 avec Drogba, Prime Moment et Kaka Prime Moment. Je vous fais des bisous à tous, ciao les gars.